Il nous ferait conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes et des familles. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leurs voisins. Des analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous ? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison-Blanche, un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Kanivar et Kassim Javani. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages.